deux fois champion d'Europe, Jourdanie Martina. Le stade Roland-Court de Liévin a accueilli ce jeudi 25 juillet la délégation néerlandaise d'athlétisme en amont des Jeux Olympiques. Plus de 1000 curieux ont assisté en tribune à cet entraînement public et ont pu apercevoir une quarantaine de grands sportifs, comme le sprinteur Jourdanie Martina. On a les meilleures équipes d'Europe avec les Anglais. Et avec une ambition folle, vous les avez écoutés, ils veulent ramener 6 médailles au jeu. Voilà, c'est magnifique. Et puis surtout, c'est l'événement qui va permettre au stade, ici, à faire un vrai centre international où on va accueillir des gens du monde entier dans le sport, mais également dans la culture. Des pistes rénovées il y a quelques semaines que les spécialistes du décathlon Sven Rosen et Rick Tam ont été les premiers à fouler. Puis la star Femke Bol, 24 ans, la championne du monde en titre du 400 mètres, a fait son apparition. Elle est venue ici à Liévin cet hiver. C'est incroyable d'être avec cette équipe ici et individuellement de pouvoir être en compétition pour une médaille. Et ici, c'est un des meilleurs endroits pour se préparer à ça. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc c'est quelque chose de différent d'un championnat d'Europe ou championnat du monde qui vient plus périodiquement. Il y a beaucoup d'attentes sur le duel avec Sydney McLaughlin au 400 mètres haies. Deux athlètes qui sont les plus rapides de l'histoire et qui sont de la même génération. Et c'est ça qui fait que c'est un fait vraiment très intéressant. Pour immortaliser l'instant, la sprinteuse a sorti le Polaroid et posé avec ses coéquipières du relais 4 x 400 mètres. Un moment unique pour les fans qui ont pu enchaîner selfies et autographes. Alors nous, on les voit pas au quotidien, mais effectivement, ouais, c'est gratifiant. Ça veut dire que notre matériel est bon s'ils viennent chez nous. C'est superbe de pouvoir assister à un entraînement d'une délégation étrangère. C'est sûr que ça aurait été mieux l'équipe de France, mais bon, après, on va aller les voir au jeu. Ah franchement, c'était incroyable. Franchement, trop bien et tout. Franchement, ils sont trop forts. Rien que j'ai vu les abdos, franchement, j'ai kiffé et tout, voilà. Les Pays-Bas feront leur entrée en compétition en athlétisme lors de la deuxième semaine des Jeux à Paris. La cérémonie d'ouverture se tiendra, elle, ce vendredi soir, sur la Seine.